Forcément envie de réécrire un gros texte parce que je me suis dit qu'on avait fait un petit peu le tour des grosses thématiques. Mais je me suis dit que durant le mois de décembre, et ben pour les épisodes de Utips, on allait tout simplement se poser et essayer de faire des gros chapitres, un petit peu résumés de ce qu'on a abordé avant. Donc du coup ici, ça va se centrer simplement sur qui tu es en tant que créateur. Parce que, mine de rien, on a brassé beaucoup de choses durant ces derniers mois, durant ces 11 mois quand même de l'année 2019. On a brassé du matériel, on a brassé de la conception, on a brassé de la création, on a brassé des potes, on a brassé beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de savoir qui on est en tant que créateur. Parce que mine de rien, en tant que créateur, tu vas devoir savoir exactement ce que tu veux de YouTube. Ça passe par comment créer, ça passe par quoi créer, ça passe par pour qui le créer, et ça passe surtout par comment le créer. Et toutes ces questions-là, toutes ces interrogations, elles sont au cœur de toi. Parce qu'en tant que créateur, la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux faire sur YouTube? Et à partir de là, bon, tu as plein de questions qui découlent. Mais la question importante par qu'est-ce que je veux faire sur YouTube, c'est qu'est-ce qui me plaît? Moi, j'aime le cinéma, par exemple. Forcément, je n'allais pas me mettre à faire des critiques de séries télé ou de jeux vidéo. J'en ai fait, si vous remarquez bien. Mais à chaque fois, c'était toujours accompagné d'une personne qui était experte en la matière. Parce que moi, je ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo, je ne suis pas un grand amateur de séries, je ne fais pas de binge-watching, moi. Et du coup, j'avais besoin d'être accompagné. Donc du coup, lorsque j'ai décidé de lancer cette chaîne, c'était une chaîne de cinéma. Les Chroniques du Cinéphile, elle n'était pas prévue pour faire du Séance et Sauvegarde et parler de jeux vidéo, ni du off-season et parler de séries télé. C'était prévu pour parler de cinéma. Et donc, je suis vraiment resté centré là-dessus. Et même lorsque j'ai créé d'autres concepts, je suis parti sur l'idée de rester dans le cinéma et rester dans l'analyse de cinéma ou le jeu avec le cinéma. Donc, en tant que créateur ou futur créateur, dans le « qui es-tu ?», il y a le « qu'est-ce que j'aime ?». Et ce « qu'est-ce que j'aime ?», donc, c'est une passion. Et cette passion, il ne faut jamais la perdre de vue. Parce que je ne comprends pas tous les créateurs sur Internet qui ont 36 passions et qui décident d'avoir une chaîne qui va parler à la fois de jeux vidéo, à la fois de cinéma, à la fois de série, à la fois de ceci, à la fois de cela. Enfin, si tu as une passion dans la vie, fais-la jusqu'au bout, mais ne t'éparpille pas trop parce que déjà, les gens ne vont pas arriver à te suivre. Et de deux, bah même toi, tu vas avoir du mal à complètement te complaire là-dedans. Parce que si tu commences à te dire « Oh, il faut absolument que je suive les sorties ciné !» Ça, c'est une bonne idée. « Oh, il faut absolument que je suive les sorties de série !» Fais attention, il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. « Oh, il faut absolument que je me mette aux jeux vidéo et que je finisse les jeux le plus rapidement pour pouvoir faire un test !» Je bois à ta santé et je te souhaite bonne chance. Parce que ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est une passion, un concept, une création. Parle là-dessus, tu seras bien. Et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir te créer ton identité. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire au début de ces vidéos-là. Lorsque tu choisis un concept, lorsque tu choisis de créer une chaîne, bien au-delà d'avoir une idée parfaite de ce que tu veux mettre en place, le plus important, c'est surtout de savoir comment le mettre en place, comment correctement le mettre en place. Et par cette idée-là, il y a cette idée de simplement choisir une passion, choisir un sujet, choisir une thématique, quelque chose que tu vas pouvoir explorer en long et en large. Enfin, moi, à partir du moment où je me suis dit « je vais parler des films qui sortent en salle », ça m'arrive rarement de parler de vieux films. Et quand je le fais, ça résonne quand même avec l'actualité pour réussir non seulement à avoir de l'impact sur vous, mais également tout simplement parce que sinon, je pense que je suis pas sûr que ça m'intéresserait beaucoup parce que vous êtes là sur cette chaîne, parce que vous savez que ça parle d'actualité cinéma. Si je me mettais à parler de vieux films, même moi, je respecterais pas forcément l'idée de base de ma chaîne. Après, je le fais de temps en temps parce que ça me plaît et parce que ça a une logique par rapport à ce que je crée. Mais même moi, en tant que créateur, je sais que des fois, c'est un petit peu une entrave à ce que j'avais comme idée de base. C'est une petite entorse, c'est un petit à côté. Et c'est pas forcément toujours une bonne chose. Donc quand
je parle de savoir qui tu es, je parle de savoir quel créateur de vidéo tu es et quel passionné tu es. À partir de ce moment-là, tu as cerné toute la base, tout ce que j'ai dit durant les premiers mois. Je l'ai dit sous forme de petites capsules parce que c'était important de le rappeler et surtout de bien discerner chaque élément. Ça partait un petit peu en cacahuète, ça s'éparpillait sur quelques instants, mais c'était cette idée-là que lorsque tu es un concepteur, un créateur et un développeur, la première chose que tu dois faire, c'est te cerner pour que ta chaîne ensuite te permette d'encore mieux cerner les gens et par le biais de ça, de faire en sorte que les gens te cernent le mieux possible. Donc dès que tu as compris ça, tu sais qui tu es. Et à partir de là, tu sais comment te lancer sur YouTube. La semaine prochaine, on verra une autre idée de cela, c'est-à-dire ce que tu veux. Ce que tu veux de YouTube, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui risque de prendre beaucoup plus de temps.